Cet accident aérien majeur des temps modernes restera encore longtemps inexpliqué et donc source de maintes polémiques. De nombreuses hypothèses ont été échafaudées à son sujet. Certaines dramatiques, si elles s'étaient avérées vraies, d'autres bien plus farfelues. Mais la vérité est sans doute plus terre à terre, même si le silence et l'omerta règnent toujours. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'affaire du crash aérien du vol TWA-800. Nous sommes le mercredi 17 juillet 1996 en soirée. 12 minutes seulement après son décollage, le Boeing 747-131, immatriculé N93-119, un gros porteur quadri-réacteur de la compagnie américaine TWA, qui doit effectuer le vol TWA-800, reliant les aéroports de New York John Fitzgerald Kennedy à Rome Fiumonzino via Paris Roissy Charles de Gaulle, se trouve au-dessus de Long Island, en phase ascensionnelle, et va exploser en plein vol pour des raisons totalement inconnues. C'est l'effroi au sol. L'avion n'est pas plein, mais il y a tout de même 212 passagers à bord, 14 hôtesses et stewards, ainsi que 4 membres du personnel navigant, 2 pilotes et 2 mécaniciens navigants. Parmi les passagers, dont 142 sont américains et 42 français, citons des musiciens célèbres, les uns se rendant en Europe, les autres en y rentrant, des biologistes français et européens réputés, revenant d'un congrès international, de nombreux hommes d'affaires, des touristes aussi. L'un des 18 membres d'équipage est italien, c'est à noter. L'avion est certes ancien, car c'est l'un des premiers gros porteurs de cette nouvelle génération d'avions de transport de masse acquis par toutes les grandes compagnies américaines, mais aussi mondiales. Son certificat de navigabilité date d'octobre 1971 et il totalise 93 000 heures de vol. Mais on sait aussi la rigueur avec laquelle les compagnies américaines entretiennent leur avion. À 16h38, heure locale, l'avion venait de se poser à New York John Fitzgerald Kennedy, après un vol transatlantique, le vol TWA-881, Athènes-New York. Il doit logiquement redécoller à 19h pour Paris et Rome, avec un nouvel équipage. L'inspection de routine à l'arrivée ne révèle rien d'anormal, sauf un défaut mineur sur l'une des jauges des réservoirs de kérosène. Elle sera jugée sans conséquence pour les mécaniciens. On remplit juste les réservoirs d'ailes, suffisants en contenance pour assurer le vol de nuit vers l'Europe. Et le réservoir central restera vide. L'horaire initial de l'avion. Rappelons que le décollage était programmé pour 19h, heure locale. Prendra au final du retard et l'avion aura un retard au décollage de plus d'une heure au moins. C'est dû au retard d'un passager qui est absent lors de l'embarquement alors que ses bagages sont chargés. L'homme sera finalement retrouvé et embarquera avec du retard à 20h02 précise. On va enfin pouvoir partir. À 20h19, en bout de piste, le vol TWA est enfin autorisé à décoller. Dans le poste de pilotage, il y a le commandant de bord Steven Snyder, 57 ans, pilote expérimenté qui compte 17 000 heures de vol. Le commandant en second, Ralph Kevorgian, 58 ans, lui aussi vieux baroudeur des airs, avec 18 000 heures de vol. Un élève mécanicien de 25 ans, Olivier Crick, supervisé par un mécanicien navigant confirmé de 62 ans, Richard Campbell. C'est un équipage très classique et habituel pour ces longs vols transatlantiques. Le temps est clair et l'avion suit la route donnée par le contrôle aérien de New York. Il vire comme prévu à New York et monte, par paliers successifs, à son altitude de croisière prévue. À 20h29 et 15 secondes, le commandant de bord fait une annonce, curieuse pour le moins, qui sera enregistré sur la boîte noire d'enregistrement des conversations dans le cockpit, le CVR. Il dit, je cite,
d'observer ce dingue d'indicateur de flux de carburant sur le moteur numéro 4. Ce sera le dernier enregistrement qui paraîtra sur les bandes de la boîte noire. À 20h30, aura lieu la dernière conversation radio enregistrée entre l'équipage et le contrôle aérien américain de Boston, lui demandant de monter à l'altitude de 15 000 pieds, soit 4 575 mètres. À 20h30:15, le contrôle aérien de Boston autorise le vol TWA-800 à monter à l'altitude de croisière de 15 000 pieds. Le commandant de bord accuse réception. C'est très distinct dans les enregistrements audio et maintient la poussée des quatre moteurs pour monter à l'altitude de croisière finale, juste avant la longue traversée de l'océan Atlantique. À 20h30:42 très exactement, le microphone d'ambiance du cockpit qui est enregistré, rappelons-le, sur le CVR, le cockpit voice recorder, enregistre un bruit mécanique étrange. À 20h31:03, ce bruit est suivi de l'expression d'un mot inintelligible qui sera enregistré. Puis un bruit similaire à celui d'un dommage causé sur la bande d'enregistrement. À 20h31:12 très précisément, alors que l'avion monte et est suivi sur les radars, les deux enregistreurs de l'avion, le CVR, enregistreur des voix, et la data recorder, enregistreur des données de vol, s'interrompront brutalement. La liaison radio est coupée. La bande d'enregistrement s'arrête à l'issue. Il est alors très exactement 20h31:12 en temps local. Après ce terrible accident, une analyse du spectre du bruit effectuée par le NTSB révélera que, durant la dernière seconde d'enregistrement, il y a deux événements inhabituels sur le canal du microphone du casque du commandant de bord où un son très court à une fréquence de 400 Hz est enregistré. C'est la fréquence normale utilisée par le système électrique. D'autres bruits électriques, normalement enregistrés en fond sonore sur ce canal, cessent durant deux très courts moments mesurés de 0,73 et 0,68 secondes avant la fin de la bande. Les autres canaux du CVR enregistrent normalement. Le dernier événement est enregistré sur tous les canaux du CVR et implique un très court mais très fort bruit qui, lui, ne dure que 0,117 secondes avant que la bande ne s'arrête définitivement. L'enregistrement de la bande du CVR s'arrête bien avec l'arrêt de l'alimentation électrique à 20h31:12, ce qui correspond au moment précis du dernier retour en écho radar reçu du transpondeur de l'avion. La société Boeing enregistrera au même instant le dernier écho radar de cet appareil. C'était à Trevoss, en Pennsylvanie, au bureau de la Federal Aviation Administration, le célèbre FAA, qui gère toute l'aviation civile américaine. Toujours à cette heure fatidique, les contrôleurs aériens de Boston perdent eux aussi le contact et le retour sur radar du vol TWA-800. Leurs appels successifs restent hélas sans réponse. À 20h13:50, le commandant de bord d'un autre avion opérant dans les parages, un Boeing 737 de la compagnie américaine S-Wing Airlines, signale au contrôle aérien de Boston qu'il a distinctement aperçu une explosion devant son appareil, au niveau de l'altitude de 16 000 pieds, soit 4 875 mètres. Dans la foulée de cette première information délivrée, d'autres commandants de bord signaleront les mêmes faits au même moment. Dans le cadre de l'enquête, ouverte sans tarder après la perte de l'avion, divers témoins en mer ou à terre confirmeront avoir eux aussi entendu une forte explosion suivie d'une boule de feu au-dessus de l'océan Atlantique.
beaucoup d'entre eux, peut-être les plus attentifs, mais on ne peut pas l'affirmer formellement à ce stade de l'enquête, signaleront un jet de lumière montant du sol là où ils ont aperçu ensuite la boule de feu. L'alerte est vite donnée, car tout cela concorde parfaitement avec un accident d'avion. Un hélicoptère des gardes-côtes américains, piloté par Fred Meyer, était dans cette zone au moment précis de l'accident, qui se produisit au-dessus et légèrement derrière lui. Il fut même obligé d'un premier temps de quitter la zone pour éviter la chute des débris autour de son appareil. Il restera sur zone pour les secours. Un autre hélicoptère de secours décolle et le rejoint très vite dans la zone supposée de l'accident. En mer, ce ne sont pas moins de 40 embarcations des gardes-côtes de la police et de nombreuses embarcations de particuliers qui s'y rendent également. L'engagement des moyens est à la hauteur du drame, qui semble s'être produit sans qu'on en ait encore aucune preuve concrète. On n'est pas très loin des côtes et la zone est peu profonde, avec un fond moyen estimé à 37 mètres. Ce qui favorisera grandement la récupération des corps des victimes et la collecte des débris. À leur arrivée, ils constatent que la large partie de l'océan Atlantique où les débris flottaient déjà nombreux était en flammes. L'odeur ne trompe guère un homme né sur la côte ou un sauveteur en mer. C'est du fioul ou du kérosène d'avion. Les recherches pour tenter de localiser ou de repêcher d'éventuels survivants dureront toute la nuit, mais ne seront pas couronnées de succès. Et pourtant, les gardes-côtes, l'US Navy, l'autorité administrative y avaient engagé d'entrée des moyens massifs et très importants. L'enquête démarre rapidement, dès le lendemain en fait. Alors que les secouristes repêchent patiemment tous les débris qui flottent et qui dérivent lentement. Ils sont nombreux, largement éparpillés, ce qui, pour les experts, est le signe flagrant d'une forte explosion. Elle est confiée conjointement au bureau new-yorkais du FBI et au NTSB, l'équivalent américain de notre bureau enquête et analyse français, le BEA. Sa réputation, sa rigueur, son intransigeance et sa connaissance du sujet en font un acteur incontournable de tout drame aérien. Alors que le FBI enquêtait sur toutes les hypothèses possibles, y compris l'hypothèse d'une attaque terroriste, le NTSB, lui, irait chercher les causes de l'explosion et retracerait en détail la chronologie des faits. L'affaire est rendue encore plus sensible par la proximité des prochains Jeux olympiques d'été qui doivent s'ouvrir à Atlanta, dans l'État américain de Géorgie, à peine 2 jours plus tard. Rien donc n'est laissé au hasard. L'enquête sera longue, et coûteuse, très coûteuse. Elle durera 4 ans et engloutira 35 millions de dollars. Ce qui, au regard d'autres enquêtes de ce type d'accident aérien, même si cela est parfaitement justifié sur le principe, paraît quand même beaucoup. Le 23 août 2000, le NTSB rend son rapport final. Il conclut à l'explosion du réservoir principal de carburant de l'avion. Rappelons ici, car c'est important, qu'il était vide à ce moment-là. C'est une formation gazeuse favorisée par les émanations de vapeur et d'air mélangé qui s'est enflammée suite à un probable court-circuit externe et une surchauffe du câble du témoin de carburant. Tout cela, situé dans la partie médiane de l'avion, la plus fragile, aurait entraîné l'explosion de l'avion. L'avion avait été reconstitué à 95%. Patiemment et morceau par morceau dans un immense hangar de Long Island, surveillé et gardé par des militaires. Le tout représentait 500 000 pièces diverses qui avaient été mises bout à bout. Toutes les pièces avaient été repêchées sous surveillance stricte des enquêteurs et du FBI, presque à la main, et le fond avait, en dernier ressort, été finement ratissé avec un chalut de la marine américaine. Les restes des corps des victimes sont regroupés dans une chapelle ardente, dressée dans un bâtiment des gardes-côtes de Long Island, à Eastmoorhead.
Les deux boîtes noires seront récupérées, endommagées certes, mais parfaitement exploitables, le sixième jour par les plongeurs de la marine américaine. Il y a là, comme dans tous les avions, le CVR, l'enregistreur des conversations dans le cockpit, et le DFR, l'enregistreur des données de vol. L'avion, ainsi reconstitué au sol, montre bien la cassure en deux de la carlingue et la dispersion ensuite en trois zones distinctes de récupération des débris. Elle est nette et sans équivoque. Les explications suivantes sont macabres, mais il faut les préciser par souci de clarté et d'objectivité. Attention aux âmes sensibles, mais n'oublions jamais le respect pour les victimes. Alors que l'avant plonge immédiatement dans les flots, emportée par son poids, elle restera quasiment intacte et souffrira essentiellement du choc à haute vitesse avec l'océan Atlantique. Il n'y a pas de dégâts qui auraient été occasionnés avant le choc. La partie centrale et arrière, la plus grande, encore propulsée un moment, continuera pendant quelques secondes son ascension vers l'altitude estimée de 13 800 pieds, soit 4 100 mètres, avec une vitesse ascensionnelle de 380 nœuds, soit 703 km/h. C'est bien la vitesse d'ascension d'un avion gros porteur décollant d'un aéroport. D'autres hypothèses ont couru un temps au sujet de ce drame épouvantable, sans jamais apporter soit des preuves tangibles et réfutables, soit alors mettre définitivement à mal l'explication du NTSB américain. On a parlé d'une bombe contenue dans les bagages stockés en soute inférieure et qui aurait explosé peu après le décollage. Là, c'est le FBI qui était à la manœuvre. L'analyse minutieuse de tous les bagages enregistrés, leur composition, leur provenance, leur appartenance, le recensement de tout ce qui se trouvait dans l'avion, même les effets personnels de l'équipage et des frigos de cuisine, ainsi que de la liste de tous les objets à vendre à prix détaxé. Pendant le vol, l'identification de chacun des passagers, de l'ensemble de l'équipage et de tout leur entourage même n'a rien donné de plausible. Près de 800 personnes seront entendues par les agents du FBI, à titre de témoins, après l'accident. Ils sont de toute origine sociale, ethnique, culturelle, géographique, religieuse et politique, ne se connaissent pas pour l'immense majorité et n'avaient aucun intérêt commun. Parmi eux, on conclut que 670 d'entre eux diront quelque chose qui était probablement en rapport avec l'accident, et que 250 de ceux-là diront qu'ils ont entendu quelque chose qui était probablement rattaché à l'accident. 239 rapportèrent avoir entendu quelque chose diversement décrit comme une explosion, un boom, un grondement ou le tonnerre. La plupart situent cela le long de la côte sud de Long Island, sur une distance d'environ 15 à 20 km de long. Plus de 250 témoignages précisent aussi avoir vu des traînées de lumière ou un objet se déplaçant dans le ciel, diversement décrit comme un point de lumière, des feux d'artifice, une torche, une étoile filante ou quelque chose de similaire. Parmi eux, 38 rapportèrent avoir pensé que la traînée était en ascension verticale ou presque, et 18 autres qu'elle venait de la surface de la Terre et 7 de l'horizon. Toujours dans le détail qu'il leur est demandé, 600 témoins rapportèrent avoir bien vu une boule de feu. Parmi eux, 264 rapportèrent avoir vu la boule de feu dès l'origine. 200 rapportèrent l'avoir vue se diviser en deux, et 217 rapportèrent que la boule de feu heurta la surface de l'eau ou disparut derrière l'horizon. On voit là toute la diversité des témoignages visuels. Et pourtant, tous ces gens-là étaient à peu près au même endroit, au même moment, et ont scruté la même scène. On a aussi comparé les enregistrements audio, notamment ceux anormaux,
du cockpit, avec les bandes sonores enregistrées d'autres avions, surtout des Boeing, lors d'accidents qu'on croyait similaires. Mais il y a des différences notables et constantes, incompatibles, tant dans la durée que dans l'intensité et même la fréquence. En outre, il n'y a pas la moindre trace d'explosifs ou de produits chimiques ou toxiques. L'hypothèse d'un attentat s'effondre. Il n'y a pas non plus eu de revendication ou de menace. En outre, tous les échos radars des tours de contrôle de la zone, civile et militaire, et tous les enregistrements radars des tours de contrôle des différents aéroports new-yorkais seront analysés et minutieusement scrutés. Aucun autre projectile ne croisa ce soir-là la route du vol TWA-800, sauf un avion de ligne dont l'équipage a bien vu l'explosion, l'a signalé très rapidement et a témoigné à l'issue et qui poursuivra d'ailleurs sa route. La structure de l'appareil a été scrutée pendant de longues semaines, couche par couche, secteur par secteur, morceau par morceau. Finalement, on ne révélera aucune trace de dépressurisation, aucune trace d'ouverture de porte ou d'accès de la carlingue qui ait pu provoquer l'implosion. Aucune usure ou fatigue anormale des matériaux, qu'ils soient en métal ou en matériaux composites. On a également évoqué un tir de missile provenant soit d'un engin lance-missile portable, soit venant d'un sous-marin en plongée, soit encore d'un navire de la marine américaine. Ils auraient pu se trouver dans la zone de manœuvre habituelle de l'armée américaine, la zone W-105, où l'avion décollait. Cette zone est bien connue de tous les pilotes décollant de New York par la mer, et commettre un tir accidentel serait vraiment de la malchance avec beaucoup de conditions non respectées. Tous les jours de l'année, 500 avions passent dans cette zone à l'approche ou en éloignement des aéroports new-yorkais. Là, c'était quand même encore techniquement possible, disons éventuellement, et en restant très prudent, et cela pourrait après tout être corroboré par les lueurs aperçues par les témoins. Et c'est encore du ressort du FBI et des services secrets américains, notamment ceux du Pentagone, le ministère américain de la Défense. Ils ausculteront en détail plus de 20 000 bateaux et embarcations, analyseront tous les vols commis dans la région puis au niveau national américain, éventuellement dans les entrepôts militaires, mais ne trouveront rien. Et un tir effectué avec un lance-missile portable, même très perfectionné, de type Stringer, éventuellement resté à cette attitude et à cette vitesse de l'avion, très aléatoire et très hasardeux. Ils chercheront, analyseront, investigueront tout azimut, mais la réponse officielle sera négative. Pas de tir, même accidentel, pas de manœuvre dans la zone, pas de navire ou de sous-marin en mission dans ce secteur-là, ce soir-là, pour des épreuves spécifiques de tir. Et dans la marine américaine, comme dans bien d'autres marines à travers le monde, au prix d'un missile et au vu du protocole draconien de tir qu'il nécessite, on ne les tire pas comme cela, impunément, tout seul, juste pour voir ou pour s'amuser. Le NTSB se range à leur conclusion en expliquant qu'aucune des traces et aucun des dommages révélés sur l'avion, dont on a retrouvé toute la carlingue, ou presque, ne présente de traces compatibles avec une telle explosion et avec un tel impact. En dernier lieu, reste l'hypothèse technique de l'explosion du réservoir central, vide de tout kérosène, mais contenant des gaz hautement explosifs qui n'avaient pas été évacués lors de l'arrêt technique entre les deux vols. Toutes les expériences menées par les experts américains et ceux du constructeur Boeing, les comparaisons étudiées, les simulations faites sur des réservoirs hors service et même des avions déclassés ne volant plus confirment, hélas, cette hypothèse dans son déroulé macabre. Et le principe d'une surtension électrique d'une jauge de type ancien, non modifiée depuis la construction de l'avion, créant un arc électrique hautement inflammable, fut sans nul doute la cause officielle avancée pour expliquer ce drame, comparaison à la pluie. La réponse est technique, étayée, précisée, documentée. Elle est imparable. Et l'argumentaire est recevable.
La vitesse de propulsion d'un missile, vitesse qui est très élevée, aurait fait d'autres dégâts, bien plus importants, désintégrant l'avion en tout petits morceaux. Or, ce n'était pas le cas ici. Quant aux lueurs aperçues, les enquêteurs ont reconstitué un scénario identique, à la même heure, avec la même luminosité d'un soir comparable. La côte américaine, très peuplée, très vivante, très animée et très éclairée, et rien ne permet d'y distinguer avec précision à 100% une lueur provenant d'un missile, lueur dont les caractéristiques sont assez peu connues du grand public, signalons-le. Bien sûr, et c'est tout à fait compréhensible, un certain nombre d'associations de défense, d'associations de victimes, de parties civiles, d'intérêts privés aussi, ne validèrent pas ces conclusions. Ils s'accrochèrent à tout prix à d'autres théories avancées, parfois à la limite de l'invraisemblable, comme l'enlèvement par des extraterrestres, aliens ou parfois à la limite d'une théorie complotiste, assez typiquement américaine, qu'on retrouvera dans d'autres drames qui frappent le pays. Il est exact de dire, pour corroborer leur thèse, que des accidents et des incidents ont déjà eu lieu dans cette zone. Même des tirs de munitions militaires lors d'exercices combinés. Mais ils avaient tous pu être évités, étaient publics, annoncés par avance et connus. Un monument mémoriel sera bâti, face à la mer, en juillet 2004, sur une parcelle située dans un parc à Chorley, sur la côte est de Long Island. 14 drapeaux symbolisant les 14 nationalités des victimes y flottent au vent, au-dessus de la gravure des noms des 230 victimes. Notons enfin qu'à titre pédagogique, et l'idée est particulièrement ingénieuse, l'épave reconstituée de l'avion a été conservée à Ashburn en Virginie, où elle sert de démonstrateur pour la formation des experts intervenant sur les lieux d'accident d'avion. Elle est actuellement numérisée, l'informatique aidant et faisant avancer les progrès en la matière pour poursuivre ce travail. C'est la fin de cette tragique affaire. Ayons tous une pensée pour les victimes ainsi que leurs proches. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.